Bonsoir à tous et bienvenue au Tivoli. Nous sommes très très heureux ce soir, enfin cet après-midi, je ne sais même plus avec la lumière que j'ai. Vous êtes soir ou la journée là? La journée, merci. Merci beaucoup en tout cas d'être venus si nombreux. C'est un vrai plaisir de jouer dans cette salle qui est, dont l'acoustique est extraordinaire. Et en plus, on est super bien accueillis par toute l'équipe de Jazz Club du Gâtinais. Voilà, donc, je vous les ai présentés tout à l'heure. Je n'ai pas vraiment à le refaire, mais je le fais quand même. Monsieur Jacques Di Costanzo, Monsieur Germain Cornet à la batterie. Vous le connaissez, il est venu il y a quelques temps, quelques jours, non? Quelques mois? Il y a 2 heures. Il est arrivé il y a 2 heures, c'est vrai. Monsieur Pablo Campos. Et pour vous servir, Nicolas Sabatou, merci beaucoup. Voilà, donc en fait, on va continuer avec la musique. Comme Jean-Marc vous a expliqué, c'est un orchestre qui est dédié à la musique de Mick Jackson et Ray Brown. Donc c'était des musiciens qui se connaissaient, qui étaient très amis. Et quand ils se retrouvaient sur scène, c'était la fête. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de refaire ce soir. A tout de suite. Bien sûr, on va présenter les morceaux. Pas tort, c'est bien d'être équipé, d'avoir un coéquipier. Donc ce morceau s'appelait Now Hear My Meaning, et qui est issu d'un album en big band qu'ils avaient réalisé tous les deux.
avec 16 autres musiciens, rassurez-vous, uniquement c'est à peu près 18 musiens. Voilà, donc cet album s'appelle Much in Common, et c'est une réduction que nous avons fait à 4, et ça coûte moins cher qu'à ramener à tout un big band, forcément. Et nous allons continuer avec un thème qui est très joli, un thème de Aggie Carmichael, donc c'est celui qui a écrit entre autres Georgia My Mind, et ce morceau s'appelle Small Fry. Thank you.
Merci beaucoup, c'est un thème, un très joli thème qui s'appelle Small Fry. Nous allons continuer avec une bossa nova qui en ce moment, je crois que c'est, elle est toujours en, je sais plus si c'est toujours à la playlist de TSF, la radio, vous savez, la radio jazz. On a eu la chance de figurer à la playlist de TSF, c'est-à-dire que le morceau passe une fois par jour. C'est pas pour ça qu'on en vend, hein, mais ça nous fait, enfin, ça nous fait plaisir. Alors, c'est une bossa nova de Antonio Carlos Jobim qui s'appelle Once I Loved, et c'est une bossa nova qui passe en samba. Alors, y en a-t-il entre vous qui savent la différence entre la bossa et la samba? Je vois des gens qui disent non, c'est quoi la différence? C'est tout pareil. Alors, en fait, la bossa nova, c'est deux fois plus lent que la samba. Donc, la samba, c'est deux fois plus... Alors, je vais vous donner un petit exemple, c'est facile à se rappeler. J'en connais un qui rigole déjà. Alors, faites un petit exercice, tout ça. Vous dites ton, vas-y, ta-ta, vas-y, 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 ton. La samba, c'est donc deux fois plus vite, ça fait ton vas-y tata, vas-y ton, vas-y tata, vas-y ton, vas-y tata, vas-y ton, vas-y tata, ton, vas-y tata, vas-y. Vous avez compris? Voilà. Donc vous allez voir, maintenant ça passe en samba, donc c'est la surprise.
Merci beaucoup. 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 Merci Il y en a certains qui ont connu Nogaro. Et il y en a moins qui connaissent son contrebassiste formidable qui s'appelait Luigi Trussardi. Il y en a-t-il qui ont rencontré Luigi Trussardi? Formidable contrebassiste qui avait joué avec tout le monde. Et il avait des super histoires, des super jeux de mots. Donc il disait, t'as pas samba, t'as qu'à bossa. Pas mal, hein? Ouais, nous allons continuer avec un autre standard qui s'appelle Old Evil Moon et qui est issu d'un album de Mick Jackson dans les années 70, à l'époque des albums City High, une formidable maison de disques. Je crois que l'album s'appelle Des Tourelles? Non, pas sûr. Voilà, une très belle version de SKJ qu'on fera un petit peu plus tard pour un ami à nous. Qui est pas loin. Oh, il rigole d'ailleurs. Voilà, ce morceau s'appelle Old Evil Moon. Thank you.
Thank you.
Thank you.
beaucoup. C'était un medley avec mon premier morceau que j'ai joué, c'était My One and Only Love. Après, nous avons continué avec Germain, un blues de Duke Ellington qui s'appelle Things Ain't What They Used To Be. Nous avons fini par une demande express du chef de ces lieux, Monsieur Jean-Marc Bellière, avec SKJ, qui est un thème de Mick Jackson. Voilà, nous allons prendre quelques minutes de pause. Je vois que la commandante tour nous dit qu'il faut prendre une pause. Vous voulez une pause ou on en fait un dernier? Vous aurez assez de temps pour nous acheter des disques alors? Allez, on va vous faire un petit... Alors, je pense qu'on va... On va vous faire une explication de vie. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés déjà? C'est plus important, savoir comment ça marche, cette chose-là. Parce que quand vous êtes arrivé, il y en a qui ont dû se dire « Oh, ils vont faire des grillades !»« Ah, c'est cool, ouais, le feu de bois !» Non, non, c'est un instrument de musique. Mais c'est vrai qu'en cas de pénurie, en cas de guerre, ça peut servir. Faire cuire des hérissons, des choses comme ça. Bonsoir, messieurs, dames. J'ai souvent beaucoup de questions pendant la pause sur « Ah, mais comment ça marche votre instrument? J'avais jamais vu ça, etc. » Donc je vais anticiper un petit peu, il y en a certainement qui savent déjà, mais pour ceux qui ne savent pas, ça sera peut-être intéressant. Ça s'appelle donc un vibraphone. Alors les questions qu'on me pose souvent, quelles sont-elles? Comment ça marche déjà? Donc comme vous avez remarqué, alors quelle est la différence entre le xylophone et le vibraphone? Et la question qui revient tout le temps. Donc le xylophone vient du préfixe xylos en grec qui veut dire bois. Donc par définition, ceci ne peut pas être, on s'en fiche un peu, un xylophone. C'est donc, ça fait partie de la famille des métallophones, puisqu'il est donc en métal. Ce qui lui donne son nom et ses lettres de noblesse, c'est le petit moteur que vous voyez peut-être ici, un petit tourne, qui est là pour procurer l'effet de vibrato, d'où le nom de vibraphone. Petite démonstration de plusieurs choses. La pédale, vous voyez ici, qui actionne donc l'étouffoir qui est là. Donc vous allez voir, c'est très simple. Si je joue la touche sans rien faire du tout, le son est court, il est étouffé par l'étouffoir, comme son nom l'indique, il est là pour ça. Quand je pressionne la petite pédale, ça relâche la lame et permet donc, sans le moteur, à la lame de résonner assez longtemps, vous allez voir. Même super longtemps, hein. Vous voyez, donc quand la pédale ne marche pas, on est vraiment... Voilà, bref. Et une fois qu'on a ça, on a donc notre moteur à vitesse variable. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, faire un moteur à vitesse variable à des circonvolutions tellement courtes, c'est une technologie assez difficile et c'est un moteur qui coûte un bras. Hein. Voilà, donc... Vous entendez? Là, c'est la vitesse à laquelle je joue. Je veux le faire plus vite, ça, en général, on perçoit mieux. Ok, donc ça, c'est la vitesse très très rapide. Ou alors, un vendeur est attendu au rayon charcuterie. On a aussi donc la version un peu plus courte. Voilà. Mais qui a donc tué Pamela Rose? Voilà, donc on a différentes vitesses et en fonction des époques, ça a été joué de manière un peu différente. Lionel Hampton avait tendance à le jouer assez vite. Un peu comme ça, Emmy Jackson préférait un moteur un peu plus lent. Voilà, ce genre de choses-là. Donc vous savez désormais tout sur le vibraphone, et nous allons vous interpréter un dernier morceau qui est... Je sais plus si on a le temps maintenant. Ah, nous allons donc peut-être pas vous interpréter un dernier morceau. Il est jaloux parce que pour une fois je parle. Ouais. Je vous le rends. Hein. Merci, vous m'avez manqué. C'est Jacques Costanzo, s'il vous plaît. Jean-Marc, on fait la pause. Un petit morceau. Eh bien, nous allons vous jouer un morceau de Ray Brown qui s'appelle « Line with the Groove ».